Ma Mission TV, le miroir du monde. Le secrétaire général de l'Union pour les Nations Congolaises. L'arrivée du secrétaire général de l'Union pour les Nations Congolaises, Billy Kambale et Raston. Come on, 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 come on
national de l'Union pour les nations congolaises. L'autorité morale de l'UNC. L'excellence de l'intercommunal. L'autorité morale, le président national de l'Union pour les nations congolaises. L'autorité. Très chers camarades, membres de l'Union pour les nations congolaises, distingués invités, très chers congressistes, nous allons nous lever pour l'exécution des hymnes. On va commencer par l'hymne national. Le travail qui revient
à ce micro que j'ai l'honneur de présider est déjà fait pour l'essentiel, c'est-à-dire les services du secrétaire général du parti m'ont déjà rendu la tâche facile en ce qui concerne tous les aspects liés au mandat des congressistes ainsi qu'au règlement intérieur du Congrès. Il me revient donc à présent de passer immédiatement à l'installation du bureau définitif du Congrès, du mini-Congrès. Si tous les congressistes ici présents sont d'accord avec ce que je viens de dire, qu'ils veuillent bien le manifester. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'invite donc les services du secrétaire général du parti, qui est en fait l'organe qui avait préparé ce congrès, à bien vouloir me rejoindre pour qu'on installe nos bureaux provisoires, le bureau définitif. Donc il me faudrait maintenant qu'on commence par le président. Le président que nous devons élire pour présider le bureau définitif. Excellence, honorable président national de notre parti, comme je le disais, les services compétents ont effectivement été à la hauteur de leur tâche. J'ai devant moi pour vous, je vais vous présenter les membres, les candidats membres du bureau définitif du mini-congrès UNC 2023. Et d'abord, donc, les membres du bureau définitif, je vous présente les candidats, après quoi je passerai au président des commissions du mini-congrès. S'agissant des membres du bureau définitif, il s'agit de 6 personnes. Je vais vous les présenter et je vais en même temps vous demander de les accepter par applaudissement. Le président du bureau définitif du mini-congrès 2023. Le président. Je vous invite à applaudir. C'est Monsieur Alfred Maïchet. Honorable Alfred Maïchet. Mettez là, honorable Maïchet, d'abord, vous montez ici. Vétéra honorable Alfred Maïcha, Mabogo Makasi. Maïcha, honorable Maïcha. Amen. Merci.
le premier vice-président du bureau définitif. Monsieur Vicky Fernando Inzaghi. Yes, Seigneur. Il y a Fernando Vicky. Philippe SGA à l'UFC. Si on peut continuer à applaudir. Mon amour à Vicky Fernando. Double bouillonnement. La deuxième vice-présidente du bureau définitif. J'ai bien dit la deuxième vice-présidente. Il s'agit de Madame Nora Efoe. La femme gratée. La mission qui a été
mission, monsieur. La commission électorale. J'appelle monsieur Juvenal Kamouébédé. Juvenal Kamouébédé. Sous nos applaudissements, Monsieur Juvenal Kamouébédé. Socioculturelle sera présidée par Madame Henriette Missenga. Madame Henriette Missenga. Les applaudissements. Henriette Missenga. La cinquième commission. C'est bien la commission santé. Je suis heureux de vous présenter le président, c'est M. Jean-Pierre Bemanga. Jean-Pierre Bemanga. On applaudit Jean-Pierre Bemanga. Sixième commission, c'est la commission défense et sécurité. Tout le monde le connaît, c'est l'honorable Bertin Mogon. Sous nos applaudissements, mesdames et c'était honorable Bertin Mogonzi, sixième commission, défense et sécurité. Nous avons enfin la septième et dernière commission, la commission environnement. Il s'agit de M. Likibetoko. Parce que j'aurais pu dire simplement que j'invite le président du bureau définitif de prendre son poste et de prendre la parole. La passation du pouvoir entre le bureau d'âge et le bureau définitif. Est-ce que nous pouvons continuer à applaudir en nom des doyens et en train de passer le flambeau de pouvoir au nouveau président du bureau définitif, l'honorable Alfred Maïcha. Les doyens, le président du bureau d'âge vient de céder son pouvoir au nouveau président du bureau définitif. Mesdames et messieurs, pendant que le bureau d'âge va quitter ses podiums, est-ce que nous pouvons applaudir le travail accompli par le bureau d'âge? C'est un travail de qualité. Les doyens accompagnés, bien sûr. Et le bureau définitif va s'installer. Le bureau définitif va s'installer. Avant que le président du bureau définitif dise un mot. Excellence, honorable président national, chers camarades, chers invités, membres congressistes. Président de l'UNC.
Mesdames et messieurs les congressistes, nous vous disons tous bonjour. Nous sommes heureux d'être chargés par la plénière de notre congrès de diriger les débats des présentes assises, ensemble avec les collègues membres du bureau, les chefs des commissions. Nous allons offrir le meilleur de nous-mêmes, tous et chacun, pour que ces assises soient tenues dans les meilleures conditions possibles. Ceci étant, je demande aux services techniques de nous approcher de notre assistant pour nous accorder la documentation nécessaire afin de conduire convenablement les débats des présentes assises. Nous avons une mission précieuse et malheureusement un mandat de courte durée parce que notre mandat se limite à la période du congrès. Mesdames et messieurs les congressistes, les assises du présent congrès, je tiens d'abord à apporter une précision parce que la presse du monde entier est ici, il n'y a pas de mini-congrès. Eh bien, il s'agit du congrès de l'UNC. Quand vous lisez les statuts et les règlements de l'intérieur, le mini-congrès n'est pas prévu. Il est prévu un congrès ordinaire qui vient tous les 5 ans. Et c'est le cas aujourd'hui, il est prévu un congrès extraordinaire. En ce qui concerne la taille, le congrès ordinaire ne peut pas dépasser 3 jours. Le congrès extraordinaire ne peut pas dépasser 2 jours. Donc, le fait que notre congrès soit d'une taille courte ne le rend pas mini. Il demeure en effet un congrès à part entière. Et lorsque nous allons vous délivrer le contenu de l'ordre du jour, vous vous rendrez vite compte que ceux qui l'avaient qualifié de mini avaient tort. Il s'agit d'un congrès ordinaire de l'UNC, parce que pour l'histoire, pour rafraîchir votre mémoire, notre dernier congrès est de août 2018. Nous sommes en août 2023. Nous sommes respectueux de la périodicité de nos assises. Alors, mesdames et messieurs, premier exercice. En vertu de quoi nous sommes ici, dans ces assises? Parce que justement, il a plu au président national de notre parti de convoquer conformément au statut le congrès de l'UNC. Je sais qu'en citant le titre de président national, j'ai chatouillé beaucoup d'âmes qui pensent que lorsque le président national est empêché, il n'existe pas. Eh bien non. L'article 32 des statuts indique qu'en cas d'absence ou d'empêchement, le président national peut déléguer d'ailleurs en tout ou partie ses pouvoirs statutaires à une personne de son choix. La personne ainsi désignée
pose les actes au nom du président national. Ceci étant donc que j'invite les services techniques à mettre à notre disposition la décision portant convocation des présents assises. La décision portant convocation du troisième congrès ordinaire de l'Union pour la Nation Congolaise, j'invite le second rapporteur à procéder à la lecture de la présente décision à l'intention des congressistes. Décision numéro 001, PN/UNC/2023, du 4 août 2023, portant convocation du 3e congrès ordinaire de l'UNC. Le président national, vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée à ce jour, vu la loi numéro 04/002, du 15 mars 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques, spécialement en son article 2. Vu l'arrêté ministériel numéro 111 du 19 juin 2010, portant enregistrement de l'Union pour la Nation Congolaise, vu les statuts de l'UNC, spécialement en ses articles 21 à 26, vu le règlement intérieur de l'UNC, spécialement en ses articles 16 à 31, considérant l'évolution de la situation politique de notre pays caractérisée par l'organisation des élections générales dans les délais constitutionnels. Considérant que, pour ce faire, il y a lieu d'adapter certaines dispositions des statuts de l'UNC à la réalité actuelle, de renouveler le mandat de son président national, de désigner les candidats du parti à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, et entériner les listes des candidats aux élections législatives, nationales, provinciales, urbaines, municipales et locales. Vu la nécessité et l'urgence, décide. Article 1. Le 3e congrès ordinaire de l'UNC est convoqué à Kinshasa le 19 août 2023 à 10h précises. Article 2. Le secrétaire général de l'UNC est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 4 août 2023 pour le président national et sur procuration spéciale, M. Kambale Tiongo Billy Erasson, secrétaire général. Honorable président national de l'UNC, honorables députés et sénateurs, leurs excellences, mesdames et messieurs du gouvernement, leurs excellences, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques présents, nous voulons présenter le décor de nos travaux. Et pour ce faire, j'invite encore une fois le rapporteur de procéder à la lecture de l'article 25 du règlement intérieur de l'UNC qui indique le quorum nécessaire pour permettre au Congrès de siéger valablement et qui indique ensuite le mode par lequel le Congrès de l'UNC adopte ces décisions appelées résolutions. Chers collègues, veuillez lire à l'intention des congressistes. Article 25 du règlement intérieur
tel que modifié. Le Congrès siège valablement à la majorité absolue de ses membres et décide par consensus ou, à défaut de celui-ci, à la majorité absolue des membres présents. Il statue par voie de résolution qu'il adresse à la direction politique nationale. Les congressistes sont accueillis, logés et nourris par le parti. Applaudissez-vous, chers camarades. Et pour savoir qui sont membres du Congrès, j'invite le collègue rapporteur à procéder à la lecture de l'article 16 du règlement intérieur de l'UNC. 16. Composition. Article 16. Le Congrès est l'organe suprême du parti. Il est composé de membres de la direction politique nationale, membres du conseil national, membres du secrétariat politique national, membres des bureaux des branches spécialisées du parti au niveau national, membres du secrétariat interfédéral de Kinshasa, membres des bureaux des secrétariats interfédéraux, membres des bureaux des secrétariats fédéraux, deux membres du secrétariat urbain, dont un homme et une femme. Deux membres de la section, dont un homme et une femme. Trois représentantes des femmes de chaque interfédération. Quatre représentants des jeunes de chaque interfédération, dont deux filles. Membres de l'inspection générale au niveau national et l'inspecteur interfédéral au niveau provincial. Les secrétaires interfédéraux et deux membres par fédération des Congolais et de l'étranger. Toutefois, le président national ou la direction politique nationale peut réduire ou ajouter le nombre de participants au Congrès en tenant compte de la faisabilité de la prise en charge. En raison des délégations du pouvoir statutaire du président, que nous invitons très chaleureusement, et je vous invite à les manifester. Monsieur le secrétaire général de l'UNC, le général 5 étoiles, à venir livrer à l'assistance le contenu de son discours. Le bureau du Congrès, Excellences, Monsieur le Président national de l'UNC, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des partis et regroupements, Messieurs les hauts cadres du parti, Mesdames et Messieurs distingués invités, les présentes assises sont convoquées conformément aux dispositions des articles 21 à 25 bis de nos statuts et 16 à 35 du règlement intérieur de l'Union pour la Nation Congolaise, notre cher parti. Avant de livrer le contenu de mon allocution, je voudrais, au nom du président national et au mien propre, souhaiter la bienvenue à vous tous et à chacun de manière particulière et tous vous inviter pour avoir vous remercier pour avoir accepté de répondre à notre invitation malgré vos multiples charges et à un moment aussi crucial de l'histoire politique de notre pays. Pour ce faire, je demande à tous les cadres et militants présents dans ce congrès d'applaudir chaleureusement tous nos invités. Ils sont nombreux et venant de tous les horizons et surtout nos partenaires de l'Union sacrée. Je voudrais donc en profiter pour les présenter
parce que ce sont nos compagnons de lutte. Je voudrais commencer très respectueusement par notre allié traditionnel, notre allié avec qui nous avons cheminé depuis le début, l'UDPS, représenté ici par son secrétaire général, Augustin Kabuya Chilumba. Et il applaudit. Nous avons aussi un autre membre du président de l'Union Sacrée ici représenté. C'est le sénateur Lenga qui représente le président Jean-Pierre Bemba. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Merci. Il y a un autre membre du Présidium ici représenté, c'est le sénateur Bati Mkwebo. Il est ici représenté. Je demande au professeur Georges de s'élever pour que vous puissiez l'applaudir. Comme vous le savez, notre président est membre du gouvernement Sama et nous avons aussi un autre allié, un grand frère à moi avec qui nous étions au gouvernement, président des CODE. Nous demandons très respectueusement au ministre Jean Lucien de s'élever pour qu'il soit applaudi. Nous avons nos alliés, ceux qui avaient accepté de cheminer avec nous, avec qui nous sommes dans les regroupements. Nous allons les appeler un à un pour que vous puissiez les applaudir. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté, de rendre un vibrant hommage à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Applaudissons pour le président de la République, s'il vous plaît. Applaudissons pour le président de la République. Je remercie ceci. Je disais ceci. Ceci étant, et par la même occasion, permettez-moi, honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, de rendre un vibrant hommage à Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au gouvernement de la République, pour les efforts déployés en vue de faire face à la menace persistante d'agression de notre pays, particulièrement dans sa partie Est, par le Rwanda sous couvert du M23, ainsi que l'activiste criminel de plusieurs groupes armés nationaux et étrangers qui sèment la terreur et la désolation dans la partie Est de notre pays. L'UNC, notre parti, encourage les efforts consentis jusque-là par toutes les institutions de la République et dans le cadre de la gouvernance participative impulsée par le président de la République. À travers l'Union sacrée de la nation, notre parti attend apporter sa pierre à l'édifice en vue de l'éradication totale de l'activisme des groupes armés à l'est de notre pays et la consolidation d'une paix durable en République démocratique. C'est ici également l'occasion de rendre un hommage mérité aux forces armées de la République démocratique du Congo, à la police nationale congolaise et les services spécialisés qui ne ménagent aucun effort pour défendre l'intégrité du territoire national toujours convoité par les ennemis.
les mêmes hommages sont adressés à toutes nos populations, des provinces et entités en proie à l'insécurité, au Nord Kivu, Ituri, Sud Kivu, Maïndombe, Tchopo et Kinshasa dans les plateaux des Bateke, pour ne citer que celles-là, et aux déplacés internes auxquels je demande de demeurer engagés et être rassurés de l'accompagnement de toutes les couches de la nation, de l'effort commun de consolidation de l'unité nationale, gage du décollage du développement de notre patrimoine commun, la République démocratique du Congo. Ensemble avec les deux regroupements, parrains impulsés, les membres de l'Union sacrée de la nation, l'UNC souhaite voir le processus en cours dans notre pays se poursuivre jusqu'au bout dans un climat apaisé, respectueux des règles des jeux, afin que les institutions qui en sortiront bénéficient de la légitimité nécessaire pour consolider les acquis de notre jeune démocratie et relancer définitivement la reconstruction et le développement de notre pays, qui passe nécessairement par le rétablissement et la consolidation de la paix et de la sécurité, particulièrement à l'est du pays et à Guadeloupe. C'est pourquoi j'encourage les camarades congressistes à discuter sans embâche et en toute sérénité de tous les points inscrits à l'ordre du jour de ces assises, spécialement la révision de certaines dispositions de nos statuts pour les adapter à la situation actuelle et anticiper sur les aléas de l'avenir afin de demeurer compétitifs, ainsi que le choix du candidat de l'UNC à la magistrature supérieure. Le choix que vous allez opérer, je n'en doute pas, permettra à l'UNC et son président national de démontrer à la face du monde qu'il est digne de confiance et de crédit, car cela passe notamment par la culture du respect de la parole donnée. C'est à ce prix et à ce prix seulement que nous allons relever le défi de la reconstruction de notre patrimoine commun, la République démocratique du Congo, et que nous nous inscrirons du bon côté de l'histoire. Comme je le disais, créé en 2010, l'UNC a connu sa première expérience en 2011 avec son candidat président de la République en la personne de son Excellence Vital Kamerhe Lwakanyembele. Son candidat est sorti troisième et est sorti en troisième position malgré toutes les fraudes, menaces et intimidations dont le processus était émaillé. En 2018, à la faveur de l'accord de Nairobi, le candidat de l'UNC a reculé derrière le candidat de l'UDPS pour former un ticket gagnant Fachivit, porté par la plateforme CAP pour le changement CASH, qui a propulsé à la magistrature suprême son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Opérant ainsi la première alternance pacifique et civilisée au sommet de l'État entre un président sortant et un président entrant, tous des vivants à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une première dans l'histoire. C'est donc à juste titre et de manière méritée que l'UNC participe à la gouvernance actuelle du pays et entend de la soutenir jusqu'au bout, afin d'y apporter
l'ingrédient nécessaire pour sa consolidation. Mesdames et messieurs, distingués invités, du processus électoral en cours, il découle de ce que j'ai exposé si haut que l'UMC est à sa troisième expérience électorale. Pour ce faire, mesdames et messieurs, les congressistes, vous avez ce jour la charge de vous prononcer sur le candidat du parti à la magistrature suprême. En raison de ces assises, sont convoquées alors que le processus a démarré notamment par le dépôt des candidats aux élections législatives nationales et le démarrage du dépôt des candidatures des députés provinciaux. J'ai l'honneur de vous informer que l'UNC n'y va pas seul. En effet, en vue de maximiser le plus possible ses chances de gagner d'une part et de créer des structures politiques en même de dégager un aura politique à la hauteur de l'ancrage politique et sociologique de son président national, son Excellence Vital Kamerhe Lwakanyika Nyenkingi, sur instruction de ce dernier, l'UNC a approché d'autres forces et personnalités politiques en vue de faire route ensemble et répondre aux innovations portées aussi bien par notre Constitution que par la loi électorale, qui incite les acteurs politiques congolais à se mettre ensemble en vue de former des grands ensembles politiques capables d'impulser une gouvernance cohérente et une représentation réelle et significative à tous les niveaux de responsabilité. C'est donc dans cet ordre que, sous l'impulsion de l'UNC et de son président national, il a été créé deux regroupements politiques, à savoir l'Action des Alliés et l'Union pour la Nation Congolaise, AAUNC, et l'Alternance Vital Kamerhe 2018, AVK 2018. À travers ces deux regroupements, composés de partis et personnalités issus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, tous soutenant l'action du président Vital Kamerhe Lwakanyika Nyenkingi aux législatives, je me fais l'honneur de vous informer qu'ainsi réunis, nous sommes parmi les rares à avoir franchi deux fois le seuil de recevabilité en faveur de nos deux regroupements en raison de 454 candidats pour le premier, 354 pour le deuxième, chiffres qui pourront certainement être revus à la hausse lorsque la CENI recevra les candidatures des zones emploi et sécurité, à savoir les territoires de Massis, Yurchour et Kwamout, ainsi que l'issue que nous estimons heureux des recours que nous avons introduits à la Cour constitutionnelle. Au niveau des élections législatives provinciales, nos deux regroupements sont à pied d'œuvre pour présenter des candidats dans toutes les circonscriptions et toutes les provinces, enfin qu'à l'issue de ce processus, nous puissions, à travers notre représentation provinciale, participer aux côtés des autres sociétaires de l'Union sacrée de la Nation à la gouvernance du pays, aussi bien au niveau central, provincial que local. Je ne viens que les deux hautes personnalités qui avaient signé l'accord de Nairobi ont réfléchi et ils ont constaté que ce défi, on ne saurait les relever en seulement 5 ans. Qu'il faille renouveler nos bails en faveur de l'attaquant. Mesdames et messieurs, il est dit, j'aime le football, un coach avisé, il ne peut pas remplacer Lionel Messi. Ne peut pas remplacer Ronaldo, ne peut pas remplacer le petit Mbappé dedans aussi. Bref, les meilleurs joueurs, parce que même si vous avez marqué les buts, attention, ça se joue pendant 90 minutes,
plus des minutes de prolongation. Vous pouvez remplacer les meilleurs joueurs, vous aviez marqué, vous encaissez les buts, vous n'avez plus quelqu'un pour marquer. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs les membres du Congrès, en concertation avec le président national, l'ensemble des structures du parti, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, la commission ad hoc a formulé les résolutions tendant notamment à la reconduction pour 5 ans du mandat du président de la République, Antoine Félix. Je vous demande de les manifester par applaudissement. Je vous demande de les manifester par applaudissement. Et je demande à la musique de s'associer. Le bureau du Congrès demande à la musique de s'associer. Par consensus, manifesté par voix d'applaudissements frénériques, nous pouvons considérer que, en adoptant les conclusions de la commission ad hoc, l'INC adopte pour candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre, j'espère qu'on ne va plus modifier, du 20 décembre 2023, Son Excellence, accompagnement pour les peuples, mal prononcé le nom, Félix Antoine Tshilombo. L'Assemblée plénière du Congrès s'est prononcée sur l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour. Et il s'est fait qu'en vertu de l'article 24, le Congrès statue par voie de résolution. Et ces résolutions sont adressées pour exécution au président de la République, au secret, qu'est-ce qu'il dit, au président national du parti. Il sera un jour président de la République. Mesdames et messieurs,
membres du bureau du Congrès, Monsieur le Président du Conseil national de l'Union pour la Nation congolaise, Monsieur le Secrétaire général de l'Union pour la Nation congolaise, Monsieur le Président Haï de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabuya, Monsieur le Président du CDR et coordonnateur du regroupement politique CORD, cohabitation des démocrates, Monsieur Jean-Julien Paloukou, à Omlia, président national du BIREC, président du regroupement politique A bar B50, Monsieur le coordonnateur du regroupement politique A AVK, Monsieur le président des partis politiques, membres du regroupement A AUMC, honorables députés nationaux, Excellences et distingués membres du gouvernement, chers collègues, chers cadres du parti, chers militantes et militants, mesdames et messieurs, chers alliés et partenaires, distingués invités à vos titres et qualités, mesdames et messieurs, chers congressistes, je voudrais avant tout, avant de livrer le contenu de mon message, à l'occasion des assises du 3e congrès de l'Union pour la Nation congolaise, mon parti, rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, lui qui est le maître des temps et des circonstances, pour nous avoir maintenus en vie et nous aider à surmonter d'immenses obstacles afin de rendre effective la tenue des présentes assises. Amen. Par la même occasion, je voudrais remercier toutes les hautes autorités du pays, le président et autres responsables des partis politiques et regroupements, pour l'honneur nous manifester par leurs nombreuses présence aux présentes assises. Je remercie également les structures du parti pour l'engagement et la conviction avec lesquelles elles ont assumé toutes et chacune des responsabilités qui sont les leurs en vue de l'émergence de notre parti, même à des moments difficiles. Les mêmes remerciements, je les adresse à tous les congressistes pour avoir renouvelé leur confiance en ma modeste personne, en renouvelant encore pour 5 ans mon mandat de président national de l'Union pour la Nation congolaise. Les mêmes remerciements, je les adresse à tous les congressistes pour avoir renouvelé leur confiance à ma modeste personne, en renouvelant encore pour 5 ans mon mandat de président national de l'Union pour la Nation congolaise, UNC, sur ce et en application de l'article 31 quater du statut du parti tel que modifié ce jour. Mes prérogatives statutaires, j'allais dire, seront assumées par le secrétaire général pendant la période de mon empêchement. Quelques
J'ai parlé du secrétaire général Béli Kambale Erasto. Monsieur le Président, messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, distingués invités, la politique est une activité prégnante qui exige de ceux qui l'ont embrassée de considérer à chaque instant l'équilibre entre les ambitions personnelles et la destinée du groupe. L'UNC, notre parti, ne s'est jamais trompé de combat. Dès le début de notre marche, nous avions placé l'union des Congolais comme objectif suprême. La capacité de notre nation à fédérer ses forces internes pour constituer un frein à l'expansion de la pauvreté et du désespoir qui en est le corollaire. Je tiens à revenir sur le sens profond de ce concept d'union, car celui qui ne le comprend pas très bien ne peut dégager la force nécessaire à la patience et à la tolérance. Nous avions compris très tôt que le secret de la bonne gouvernance dans notre pays était dans la recherche de l'union entre les forces semblables ou les forces complémentaires, mieux les intelligences au service de la nation. La première des unions que les fils et les filles de l'INC ont manifesté est celle qui a réuni des partis phares, à savoir l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et l'Union pour la nation congolaise, INC. Vous rappelez tous du CASH, Cap pour le changement. À travers les Fativites, cette plateforme qui nous a amenés à la victoire de l'alternance, comme l'a si bien dit et rappelé le secrétaire général dans son mot de circonstance tout à l'heure, le 24 janvier 2019, l'union exige de l'humilité et surtout de la prise en compte des différences, car même si physiquement vous n'êtes pas dans une action, si elle est tributaire d'une union, et se fera de manière satisfaisante pour tout le monde. S'agissant de notre nation et de la manière dont nous avions toujours voulu qu'elle soit gérée, nous avions inscrit notre lutte dans la conviction que notre pays pouvait s'éloigner de l'idée, ne pouvait s'éloigner de l'idée de la grandeur qui sied à son destin. Sa vocation est d'être la locomotive de l'Afrique. La République démocratique du Congo, c'est le cœur de l'Afrique. C'est dans cette optique qu'en 2018, nous avions accepté de soutenir notre partenaire du CASH à la présidentielle. Pour ne pas le citer, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs chemins ont été parcourus et des épreuves immenses ont entamé notre solidité sans pour autant ébranler ça, ses fondements. Nous sommes restés debout malgré les attaques des ennemis devenus virulents à cause du succès de nos politiques publiques. Nous avions donné notre parole d'accompagner le chef de l'État dans son combat pour la refondation de l'État congolais. Et nous avons tenu cette promesse malgré les vicissitudes inhérentes à la faiblesse humaine et au triomphe des préjugés. L'INC et son président
sont debout devant la nation, fiers du devoir accompli, mais conscients du chemin qui reste à parcourir, du fait de l'immense défi du développement et du retard dû à la main traîtresse de l'ennemi. Aujourd'hui, conscients de notre responsabilité, nous sommes résolument tournés vers l'avenir. Nous savons que la route que nous avons empruntée est la bonne. Il nous mènera vers le vert pâturage de la paix et de la prospérité. Cette route va amener le Congo, notre pays, à figurer parmi les nations libres, car elle est parsemée de notre courage et de notre détermination. Cette route est bonne, car elle nous a permis de construire un récit national fait de succès et de dignité. Cette route est bonne, car elle a permis à des millions d'enfants congolais de retrouver le chemin de la lumière que confère l'école. Cette route est bonne, car elle a offert à nos mamans, les femmes congolaises, la maternité gratuite. Cette route est bonne, car elle a permis la mise en place, le démarrage de l'ambitieux programme des 145 territoires. Cette route est bonne, car elle est certainement celle qui va amener le peuple congolais au rendez-vous avec sa propre histoire, c'est-à-dire l'espérance. Et nous a dévoilé un leadership responsable et attentif aux doléances de son peuple. Comment ne pas nous réjouir du socle de cette union qui fit à la base de la naissance de l'union sacrée pour la nation INC USN ainsi. Notre choix aujourd'hui est un choix de cœur et de raison, car notre plus grande capacité de changer les choses est tributaire de notre foi à l'avenir. Nous demandons à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'accepter de porter l'ambition de notre parti à la présidentielle 2023 telle que formulée dans la résolution qui vient d'être adoptée par le congrès de notre parti. Nous sommes conscients de l'immense tâche qui attend le président de la République. Mais nous savons que nous pouvons compter sur sa détermination pour porter haut encore le flambeau de notre ambition nationale. Et tous, comme un seul homme, au sein de l'Union sacrée pour la nation, nous lui promettons notre accompagnement sans faille. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République et candidat à l'élection présidentielle 2023 à la demande de notre parti, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive le Congo, notre pays. Que Dieu bénisse les congressistes et tous les invités de ce jour. Je vous remercie. Thank you.
d'un an et demi là. Donc moi je voulais tout simplement dire qu'à ce stade, nous avons estimé que avec la France et le chef de l'État, il y a des sanctions non seulement permis contre tout le monde. Et donc, pour nous, ce sont des actes qui ne peuvent pas nous permettre d'être prisonniers simplement par pouvoir ou par obsession d'ambition. Il faut dire que il y a eu un accord en 2018. Cet accord est déjà soumis. On ne peut pas continuer à parler des accords réels. Le jeu est ouvert, nous sommes dans la formation. Nous allons nous battre pour avoir ce que nous avons pesé dans la balance. Afin que cette fois-ci, ça soit issu des urnes. Donc nous n'avons pas à nous confondre et pour continuer à nous apitoyer sur un accord qui était un arrangement, mais l'opérationnalisation, comme vous le savez, a été compliquée. Mission TV, le miroir du monde.